Lorsque nous étions au lycée, en troisième, les élèves les plus brillants, on les envoyait automatiquement en série C, sauf quelques exceptions. Mais aujourd'hui, nous avons dans la société des gens qui sont dans des bureaux, généralement issus des séries A. Issus des séries A, sauf quelques rares exceptions, parce qu'il y avait des gars brillants, hein, très brillants, qui partaient en série A, comme un de mes camarades, Nikes, Belmont Nikes, qui était un garçon très brillant, mais qui, en fait, était très poussé dans les littératures. Et il a d'ailleurs très réussi là-dedans. Ça, c'est des exceptions. À la fin de la journée, c'est eux qui se lèvent aujourd'hui, dorment, font un rêve, et puis, boum, prennent une décision. La même chose qui se passe à Tchang, la falaise. Mais depuis que vous entendez des gens descendre sur le terrain et tout, il n'y a pas eu de géographe de l'université de Tchang là-bas. Pourtant, ces géographes de l'université de Tchang, ces professeurs et tout, ont fait des études sur cette falaise et ont des articles publiés sur ces glissements de terrain, ces éboulements. Mais on ne les consulte pas. Parce qu'on pense qu'en fait, c'est des cons, ils n'ont rien à dire sur cette question. Du coup, il réunit autour de lui quelques administrateurs qui sont dans son bureau et boum, on prend des décisions. Pourtant, il y a des universitaires qui ont consacré leur vie à la question, qui passent tout leur temps à travailler sur ces questions-là, mais qui ne sont pas consultés. C'est la même chose avec cette histoire des marchés. On ne sait pas. Qu'est-ce que l'État paie ? 3 heures. En matinée, heure de pointe, heure de grand achat, sans ouvrir, qu'est-ce que l'État paie? Aucune analyse n'est faite, mais on pense que nous sommes sur la bonne voie. Un pays qui n'est pas développé, qui a besoin de se développer, qui a besoin de travailler, on réduit les heures de travail, et puis tout va bien, tout va bien. Franchement, ça, c'était juste un coup de gueule. Vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, je pense que c'est pas normal. C'est pas normal. Au revoir. Et à très bientôt.